T'as une phrase de film préféré, toi? Je crois que c'est « Je vais faire mon pâté de crabe !» Waouh, Bob l'éponge. Et ouais. Et vous, dans les commentaires, dites-nous vos phrases de film préférées. Hey wow. Ça va les copains? Doubs est là. Bien. Porte, elle a pris ta ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est le salon ici. Ça va ou quoi les gars? Ça va, et toi? Super. Bah ça va. Ça va, j'avais hâte d'arriver. Je peux m'asseoir là, c'est ça? Bien sûr. Ouais, c'est ton siège. T'es en pleine forme, mec. T'es pimpant. Comment ça va, Dooms? Ça va et toi? Ça fait trop plaisir de te voir ici. Ça fait trop longtemps. Je te présente plus Chris. Oh, bonjour. C'est comment la première fois? Bah ouais. Non, je déconne, ça fait longtemps. Ça fait grave plaisir. Les gars, on va pas cacher aux gens qu'on se connaît bien et qu'on a déjà fait pas mal de trucs ensemble depuis le temps. C'est vrai. On a déjà bien bossé ensemble sur plein de trucs différents, sur tes projets, sur les miens. Des concerts. T'étais venu faire à la maroquinerie. Qui était l'un des plus beaux concerts auxquels j'ai participé de ma vie. Merci. Qu'on soit honnête. C'est trop donné. Toi, je pense que t'en as un souvenir. Ouais, j'ai un bête de souvenir de ce moment. C'était fou. Ouais, ça, c'est un délire, tu vois. Donc ouais, on se connaît depuis Bethléem. Mais il y a plein de choses que je sais pas. Et certainement, les gens qui vont nous regarder savent pas non plus. Alors, on va reprendre du début. Let's go. La musique, pour toi, quand t'étais... Tes premiers souvenirs musicaux, tu t'en souviens? Ouais, j'ai des vagues notions. Mes premiers trucs, c'était en Afrique. Du coup, c'était plus du Michael Jackson, Bob Marley, ou des musiques africaines, des musiques maliennes, ou même ivoiriennes, ce genre de sonorités. T'étais vers où, toi? Moi, j'étais à Bamako, moi. T'étais à Bamako? Ouais, j'étais au Mali, moi. Et alors, parce que la légende veut qu'à Bamako, on écoute de la musique partout et tout le monde en écoute à mort. C'est vrai ou pas? Ouais, tout le monde écoute de la musique en vrai de vrai. Les gens, ils kiffent ça. Ils kiffent la musique. Après, c'est un peu partout pareil dans le monde, mais disons que nous, tu sais, on a les griots. Ouais. Donc, la musique, elle est un peu ancrée dans notre histoire, vu que ce sont un peu genre nos livres d'histoire, les griots, qui vont dire tu descends de telle famille, ceci, cela et tout. Et c'est en chanson, donc on a un livre audio vivant pour chaque génération. C'est incroyable. Qui se transmet de génération en génération, donc ouais, les Maliens, on est grave dans la musique, tu vois. En vrai. Et ça, c'est ce que t'écoutais à la maison, ou c'est ce que t'écoutais aussi, toi, personnellement? Non, moi, personnellement, j'écoutais... À ce moment-là, j'étais pas forcément dans une recherche de musique. Quand j'habitais là-bas, j'étais plus un gamin, quoi. Et du coup, j'écoute ce que ma daronne écoutait. Et c'est plus quand je suis arrivé quand j'étais en France et que j'étais au milieu de l'adolescence, tu vois, que j'ai pu commencer vraiment à diguer mes trucs de moi-même et que j'ai commencé à faire ton propre chemin, quoi. Exactement. Avant ça, j'étais une jarre, une éponge. Ouais. Tu vois, j'absorbais les informations et les mélodies, les sonorités qu'on mettait à ma disposition, tu vois. Mais j'étais pas dans la recherche à ce moment-là encore. Alors, je sais que c'est hyper dur à répondre comme question, mais s'il y avait un artiste ou un morceau qui t'a un peu montré la voie, faire de la musique, c'est un peu ce que je voudrais. Bon, bah, on va dire Bob, dans ce cas-là. Ouais. On va dire Bob Marley, on va dire Bob Marley, parce que ma mère était grave fan de Bob. Elle m'a dit qu'elle a été en concert de lui et tout, elle avait déjà vu. C'est incroyable. Ouais, pour moi, c'est la première rockstar que j'ai vue, plus ou moins. Du sacré rockstar. Sacré rockstar. Mais ce qui est fou, en plus, Bob Marley, moi, je trouve, et c'est assez méconnu, c'est que finalement, tu sais, on a vachement une image de lui d'une certaine façon, alors qu'à chaque fois qu'on voit un film sur lui ou un documentaire, on se rend compte qu'en fait, c'était vraiment, c'était un gangster, en fait. Il était roots. Il était, ouais, mais... Il était roots. Il était déterminé aussi. Ouais, d'où. Il était... Enfin, il a amené tout un pays avec lui. Mm-hmm. Après, finalement, le monde a suivi et il a quand même réinventé un style de musique. De ouf. C'est fou. De ouf. Ben, tu vois, quand tu parles de ça, c'est ça qui est impressionnant. Comme tu as dit, les gens, ils captent pas... on est tous une pièce, tu vois, on a deux faces. Il y a la face que les gens voient, il y a la face commerciale, que tu peux dire, ouais, bon, vas-y, lui, nanana. Et il y a le truc deep, le truc en dessous, tu vois, et t'apprends certaines choses, t'es en mode, oh, ouais, c'est un méchant, Bob. Mais en même temps, dans ce qu'il chante, il est en mode, don't remind no cry, en même temps, tu vois, c'est... Mais tu vois, souvent, on dit, enfin, je trouve,
qu'on dit de plus en plus comme un mot valise, c'est un révolutionnaire. Mm-hmm. Ah, mais lui, vraiment, pour le coup, dans le sens propre du terme, ça l'était vraiment. Quoi. Ouais, 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 ouais. Ouais, il a allié les mots aux actions. Ouais. Et ça, c'est la différence. Ouais, ouais. Les images sont folles, quoi. Même politiquement et ouais, tout, il a fait des trucs qui n'avaient jamais été faits. Des prises d'opposition et tout, bien sûr. Il a montré que le. Bah, je pense que c'est lui qui a politisé un peu. Il fait partie des artistes qui ont vraiment politisé la musique. Ouais. Parce qu'à la base, la musique n'est pas politique. C'est apolitique, la musique. Et il en a fait quelque chose de politique et je trouve ça grand, je trouve ça bien. C'est incroyable. Et ouais. il a créé plein d'enfants. Ouais. Plein d'enfants. Oui, mais dans les deux sens. Oui, mais je parle musicalement, tu vois. Et du coup, ouais, bah, il y a plein de gens, que ce soit du rap, je pense même du jazz. Bon, je connais pas trop. Des jazzman personnellement, tu vois. Mais je pense qu'il a influencé plein de personnes, de plein de branches différentes de la musique, tu vois. Même en dehors, je pense qu'il a influencé des humains, quoi. Ouais, même... à fond, quoi. Dans le bon sens du terme. De ouf. Alors que c'était pas forcément le meilleur, tu vois. Ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Est-ce qu'on se ferait pas un morceau de Bob Marley, justement? On se l'attente. On se l'attente. Tu chantes souvent en anglais? Non. Ça dépend de... mon niveau d'hydromel. Ok. Bah écoute, on va essayer de faire monter un peu la jarre d'hydromel et on se lance. On se fait quel titre? À la vôtre, salut. À la tienne. On se fait laquelle? Buffalo Soldier. Allez, c'est pour toi, Bob. Buffalo Soldier. Dread like a rasta. Was a buffalo soldier in the heart of America, stolen from Africa, brought to America, fighting on arrival, fighting for survival. I mean it when I analyze the stance. To me, man. Out of sense, how to dread like Rasta. Oh, super fallen soldier. And he was taken from Africa, brought to America, fighting on arrival, fighting for survival. Say he was a buffalo soldier. Like a rasta, he was a buffalo soldier in the heart of America. If you know your history, then you will know where I'm coming from. When you wouldn't have to ask me, who the heck do I think I am? Just a buffalo soldier. Of America, stolen from Africa, brought to America. Say he was a fighting on arrival, fighting for survival. Say he was a buffalo soldier, win the war for America. Say war. Du bruit pour Dooms. Thank you, big man. Qui l'eût cru? Ah, it's not Heasley, man. You know, thank you for invitation. Non, je parle anglais maintenant, carrément. Ouais, ouais, ouais. Écoute, on va essayer de continuer en français. Parce c'est que bon. Sinon, ça va nous coûter trop cher en sous-titre. C'est incroyable. Bon, toi qui reprends Bob Marley, enfin, on a presque créé cette émission pour voir ça. Non, mais tu sais que je suis un grand fan de Bob, moi. Ouais, je sais. Bah ouais, bien sûr. Et bah, c'est galerie. C'est un exercice galerie. Ouais. Je pensais pas qu'on aurait pu aller aussi loin. Mais franchement, c'est cool. Moi, j'ai kiffé en tout cas. Alors justement, on va essayer de reprendre là où on était. Mmh. Par rapport à t'arrives en France, et là, quelque part, je pense comme tout ado,
moi, tout le monde compris. Et à un moment, on essaie de se détacher un peu de ce qu'écoutent nos parents pour faire notre propre chemin. C'est ça. Et toi, ça commence par quoi? T'écoutes quoi à ce moment-là? Du coup, moi, je me détache de mon grand frère parce que c'est lui qui est plus dans... Bon, non, parce que la daronne, c'est les bases, c'est au Mali un peu. Mmh. C'est les premières sonorités que j'ai entendues. Mais le premier à m'avoir vraiment éduqué dans la musique, c'est mon grand frère, tu vois. Mmh. Donc, c'est quand je me sépare de ça, c'est-à-dire, lui, il était très rap américain, il était très en avance. Il a toujours été en avance sur son temps, je trouve. Moi, je me suis plus rapproché du rap français classique. Et du coup, j'ai appris via mes potes et tout, tu vois. Genre en mode les sages-pots, les trucs comme ça. Bah, avec. Tu commences avec les sages-pots ou entre autres? Non, entre autres. Je commence plus avec l'Institut, les potes de mon grand frère et tout, etc. Petit à petit, bah, j'ai fait mes armes en étudiant dans ces écoles-là, tu vois. Ouais. Et du coup, ouais, bah, l'école du 9-2, l'école du 18, l'école du 9e, l'école de Paname. Ouais, bah soi, ouais, bien sûr. Entre Boulogne, Max Dormois. T'as capté, et jusqu'au 94, et la mafia qu'un free, etc. C'est comme ça que j'ai fait un peu mes armes, que j'ai fait un peu mon. Quand, tu vois, comme tu dis, au bout d'un moment, on s'émancipe et on fait nos propres routes. Bah, j'ai fait ma propre route dans ça, tu vois. Et à ce moment-là, tu sais que t'as envie de rapper dans ta vie? Ou non, pas spécialement. Non. T'es comme un skater qui ride des endroits. Ouais, voilà, je suis pas en mode je vais en faire ma vie, je suis juste en mode ouais, je vais me taper des barres, tu vois, comme t'as dit. Bah, ouais, bien sûr. Les skaters qui ride de parc en parc, sûrement, tu vois. Bah, moi, pareil, bah, gérer d'open mic en open mic, de soirée en soirée. Est-ce que tu te souviens de la première fois où t'es allé en studio? Où t'es rentré en studio et t'as dû poser ton premier texte? La première fois que t'es payé un studio, tu veux dire? Ou que t'y es allé? Non, parce que. J'ai été, mais je me souviens. Où t'as posé? C'était pas facile. Ah, tu t'étais vachement préparé ou... Bah ouais, à l'époque, c'est les heures de studio, c'était pas comme aujourd'hui, tu vois. Même pour les rappeurs d'aujourd'hui, les gars, vous avez grave de la chance. Nous, à l'époque, déjà, il n'y avait pas tant de studios que ça. Il n'y avait pas forcément beaucoup de disponibilité. Mmh. C'était pas plus cher, mais à l'époque, 20 balles vaut plus que 20 balles d'aujourd'hui, tu vois. Donc, c'était pas le même prix. Il fallait une logistique. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient de chez eux, en fait. Non. Les home studios, c'était quelque chose de très rare. C'était les beatmakers et encore, ils n'enregistraient pas. Tu vois, ils faisaient leur prod chez eux. C'est ça, ce qu'on appelait un home studio, tu vois, ou pas. C'était pas en mode, viens chez moi, je t'enregistre et tout. D'ailleurs, Chris, t'as un peu connu les deux périodes, toi. J'ai un peu connu les deux. Enfin, plus celle home studio. Ouais. Mais oui, c'est vrai qu'à l'époque, c'était, les beatmakers enregistrent pas, alors qu'aujourd'hui, limite, t'es obligé quand tu fais des prods d'avoir un mic et de. Ouais. Si t'es beatmaker, t'es obligé de trucs. Et d'être ingé son, en fait. C'est un délire. Ouais, mais parce qu'on a. On a regroupé beaucoup de casquettes qui étaient différentes à l'époque, tu vois. Mais même en tant que musicien, je me rappelle, il y avait des écoles à Paris, genre l'ESRA ou ce genre de choses, ou toi d'ailleurs, que tu connais bien. Ouais. Et il y avait, dès qu'il y avait une possibilité qu'un étudiant nous enregistre, on y allait, quoi. Ouais, totalement. J'ai des souvenirs de ce genre de trucs. On était partis dans des chambres d'étudiants, voir le mec, et après on allait dans leur truc, tu sais, ils avaient leur petit studio et tout. Et on enregistrait là-bas, ouais, totalement. Et est-ce qu'il y a un moment dans ta tête où ça a basculé, tu t'es dit, j'aimerais devenir professionnel? Bon, j'ai jamais pris vraiment le truc en mode, ouais, faut être pro et tout. J'étais plus en mode, ouais, bon, là, on rigole bien et tout, tu vois. Moi, j'arrête de faire mes trucs à côté, mais il faut que ça me rapporte de l'argent de faire de la musique. Ça, c'est sûr. Et c'est là où on se professionnalise. C'est quand t'as ton rapport, pas à la musique, mais à ce que tu fais dans ta vie, en fait. Il y a des gens qui sont en mode, ouais, tu fais pas du rap pour gagner de l'argent. Moi, à la base, je fais pas du rap pour gagner de l'argent. Mais ça fait tellement longtemps que je fais du rap qu'en vrai, ce serait bien qu'en fait, on gagne de l'argent, tu vois. Pas forcément en vendant des CD de ouf, tu vois. Mais que quand on se représente quelque part ou qu'on fasse quelque chose, qu'on soit payé, tu vois, en fait, c'est tout. Parce que c'est du temps. C'est du temps qu'on donne et tout. C'est, pour nous, bah, ça nous fait kiffer. Les gens, ils kiffent. Tout le monde prend, mais pas nous, tu vois. Ouais, genre, parce qu'à l'époque, on allait faire des open mic, on allait dans des salles, on allait dans des villes, on faisait littéralement des concerts, tu vois. Et après le concert, on restait, on rappait jusqu'à des 5-6 heures du matin jusqu'au prochain train. Et on n'avait pas l'argent que le mec de la soirée a fait, tu vois, parce que je veux dire. Alors, c'est nous qui lui avons fait faire son bif, tu vois. Alors, moi, je me permets de te dire un truc. Ça faisait longtemps que j'avais pensé à ça. Pour moi, t'es un rocker. Et je m'explique, tu vois. La plupart des rappeurs que je connaisse font beaucoup de projets et finalement font assez peu de scènes en comparatif. Ouais, c'est vrai. Alors que toi, j'ai l'impression que, en fait, à la manière d'un rocker, mais je te parle d'une autre époque, d'un rocker aujourd'hui des années 70, tu t'es fait sur scène
t'as fait tellement de concerts dans tous les sens, t'as une maîtrise de la scène et c'est hyper rare dans la musique globale moderne aujourd'hui, des gens qui ont fait autant de scènes que toi. Et finalement, en fait, les projets que tu fais sur CD, il y en a beaucoup moins. Ouais. Mais par contre, la scène, c'est vraiment le truc que tu connais, quoi. Ouais, c'est ça. Nous, on a évolué dans ça. Quand je dis les open mic, les scènes sauvages, les scènes organisées. T'avais des tournées de malades aussi. En fait, tu vois, pendant les tournées, par exemple, au tout début, on jouait des morceaux qu'on n'avait pas enregistrés. Ouais. Tu captes la scène. C'est pour ça que quand tu me dis rocker, je suis en mode, ouais, de ouf, bah tu oui. vois. Bah ouais. C'est qu'on jouait des morceaux, littéralement, qu'on avait juste, vas-y, on a pris une phase B, on a écrit nos couplets, on répète, dans le sens où on répète nos couplets dans les soirées, dans les open mic. Donc, tu connais mon couplet. À la fin, on connaît tous nos couplets. On connaît le refrain. Bon, vas-y, toi, tu fais le premier couplet. Lui fait le deuxième couplet, refrain, couplet, refrain, truc, et ainsi de suite. C'est du jazz, mec, que t'es en train de décrire. C'est ça, le jazz. C'est du free jazz, ouais, c'est du free rap. Le free rap. On faisait ça en mode, on se prenait pas la tête. En fait, tout le monde est sur la même partition, tout le monde sait à peu près ce qu'il doit faire. C'est ça. Vous changez les ordres et puis... C'est ça. Et surtout, vous l'essayez sur scène, ce qui est en général un aboutissement où tu travailles comme un dingue pour ça. Il y en a qui ont beaucoup de pression et vous, le fait d'être peut-être tous ensemble. Et on a inversé aussi. Ouais. On a inversé la méthodologie, comme tu disais. Ouais, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas beaucoup. De manière générale, les rappeurs font bien plus de projets qu'ils ne font de scène. Ouais. Après, c'est représentatif aussi d'un manque d'engagement de la part de certains de leur communauté. Mais en vrai de vrai, il n'y a rien de mieux que la scène. Il n'y a rien de mieux pour échanger avec les humains, en fait. Parce que. Même un mec qui rappe en mode super drill, super truc, tu vas le voir sur scène, tu vas le voir, il a fait un show de ouf, tu parles avec lui derrière, c'est une autre approche, tu vois, c'est une autre proximité. Ouais, nous, on a démarré avec cette proximité-là, c'est pour ça que sur les réseaux, je suis très proche des gens en soi, parce que moi, c'est ça en fait. On fait le truc, il n'y a pas de problème. Moi, je fais ma musique, je fais mon truc, t'aimes pas. Dans tous les cas, on va parler après. Ouais, carrément. Je vais être là, je vais pas bouger. Donc, si tu veux venir parler, moi, même si on est dans la soirée, t'as vu, au bout de 4-5 heures, on tourne, tac, on va voir les gens, on parle avec les gens. Ouais, vas-y. C'est un peu comme ça qu'on se rencontre aussi d'ailleurs. Exactement. Parce que moi, je fais de la musique avec Giorgio à l'époque. Toi, tu. Ouais. Mais Giorgio, je le connaissais aussi. Voilà, et donc, on se retrouve et à un moment, je me rappelle, je te dis, mais vraiment à l'arrache, je crois, peut-être sur Twitter même. Genre, et si on essayait de faire de la musique ensemble, et tu me dis, direct. Ouais, il n'y a pas trop de barrières, quoi. Ouais, dans le sens on veut se rencontrer. On est musicien, en fait, c'est facile, en vrai. Et moi, je suis de la team de, j'ai pas honte de dire à quelqu'un que j'apprécie ce qu'il fait, ou de le dire en public. Et quitte à ce que, même si la personne ne veut pas, je le dis pas pour qu'on fasse un feat. T'as capté? Bien sûr. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. Ouais. Qui fait que moi, je suis dans ce délire-là aussi, tu vois. Si j'aime bien un truc, je vais le faire. T'aimes bien ce que je fais, je te connais pas, je vais regarder, j'aime bien, on y va. J'aime pas, j'aime pas. Je vais pas aller dans un truc que j'aime pas, tu vois. Clairement. Il y avait un truc qui m'avait marqué aussi, c'est ta carrière solo. Mmh. En fait, pour moi, elle démarre vraiment. Il y a vraiment un moment où je me rappelle, tout le monde dit, ce mec-là, il va falloir faire très attention à lui. C'est le moment où tu fais Colors. C'est ça, ouais. Ce moment, pour toi, tu le ressens comme ça aussi ou... Ce moment, il est particulier parce qu'on l'a tourné un an avant sa date de sortie, le jour de mon anniversaire. D'accord. Ça veut dire que c'était le 3 mars 2016, si je ne me trompe pas. Il a mis un an à sortir. Il a mis un an à sortir parce que on était les tout premiers que Colors avait contacté, moi et Népal. On était les premiers artistes français qu'ils avaient contactés. Du coup, moi, je l'avais fait. Lui, il l'avait pas fait, il ne voulait pas. Il n'avait pas de projet en cours ou quoi, donc il n'était pas trop dedans. Moi, j'étais en train de finir un projet. Pilote 1. Pilote, le web, ouais. Tout simplement, j'étais en train de faire Pilote 1. Du coup, on l'a fait, on est parti jusqu'en Allemagne, on a gardé le clip pendant 6, 7, 8 mois, et on l'a sorti après, tu vois. Incroyable. Je connaissais pas du tout l'histoire de comment tu avais sorti ce truc-là. C'est un délire. Et ouais, moi, Pilote, c'est... Au-delà que les gens, genre, ils se prennent là-bas, enfin, moi, c'est un truc de ouf et tout. Moi, il y a beaucoup d'événements qui sont passés à ce moment-là, tu vois. Est-ce qu'on jouerait pas, justement, ce morceau? Est-ce qu'on ferait pas le remix? Avec grand plaisir. Moi, j'ai jamais entendu de remix de ce titre. Ah, je crois pas. Je crois pas. On va remixer l'intro. On sera le premier. On sera les premiers. Alors, let's go. Et les derniers. Ouais. Commencez pas à jouer au coin. Je vais arriver là. Commencez pas, les gars. Faites pas des remix foireux. Tout a
d'abord, j'en place une pour tous ceux qui sont partis trop tôt. Force au frôle, la vie c'est comme un loto. Poto, ça va trop vite, un jour tu bédaves du popo. Tu deviens claustro, le lendemain ça sera l'hosto. On n'a pas bibi par choix, ne l'oublie pas petit frère. Maintenant qu'on est yo, on n'a plus besoin de ces choses petit frère. Pendant des années, en faisant du mal j'ai fait du bien. Fallait bien payer le loyer, maintenant c'est fini. Y'en a très peu que je considère comme mes grands frères. Les liens du sang qui t'écoutent de la grand-mère. Je suis ni très vieux ni très vieux mais je sais comme taire. Un gain de temps quand tu grandis dans la gangrène. Obligé de brûler cette substance pour trouver le sommeil. Ce monde est glauque, imagine un Glock posé sur ton globe. Populaire sans aucune aide, c'est moi et ma chance. Va-t-il trembler ou juste prendre la grande délinquance. Impliqué dedans, j'ai fils d'étranger, je vais gonfler ma panse. Avant de dompter la France, yeah. On bédave comme si c'était légal, mais c'est pas murder. Des zones de non-droit où les Hongrois cachent les murders. Frère, c'est banane mais c'est aléa. On te banane si tu parles tout près de nos allées crades. Mickey, je t'ai dit, c'est banane mais c'est aléa. Pour une garba ou une garba, ça se canarde jusqu'au carnage. Y'a pas de partage, mais c'est ça, ça. Je les tabasse comme mon taga. Hey, hey. Dooms alias, Morgane pour les tagas. Hey. Dans la zone, hey. J'suis dans la zone, c'est la fin qui m'attend là-haut, hey. Dans la zone, moi, j'suis dans la zone, hey. J'suis dans la zone, jusqu'à la fin c'est dans la peau, hey. J'suis dans la zone, ouais. J'suis dans ma zone, ouais. Jusqu'à la fin, mon nigga c'est dans ma peau, ouais. J'suis dans la zone, ouais. Ok. Switch. 3 points. Ouais, 3 points. 3 points, Steph Curry. Ah, merci. C'est dans la zone, mon gars. C'était une sacrée zone, hein. Ouais. Merci. En tout cas, ce morceau, vraiment, il vieillit pas. Non. Franchement, ce texte ne vieillit pas. Il se porte bien. Moi-même, je suis en mode, oh. Oh. T'as vu? Il m'a donné chaud, le son. Ouais. T'imagines? Non, le texte, il vieillit pas dans le sens où il est pas intemporel. Loin de là, je n'irai pas jusque-là. Mais tu sais, il y a des moments charnières de ta vie où tu vas parler de certaines choses, où il y a beaucoup de gens qui vont se prendre ce que tu dis parce que pour eux, c'est tellement vrai. Ouais. Ou des gens qui se le prendront avec le temps plus tard. Ou même moi, pour le coup, des fois, il y a des sons à moi de l'époque. Je les réécoute et je suis en mode, putain, j'aimerais bien parler avec mon moi du passé, t'as capté? Ouais, bien sûr. Parce que bon, bah, c'est moi, donc du coup, je sais ce qu'il y avait dans ma tête, tu vois, parce que je veux dire. Mais qu'est-ce qui se passe pour que t'en arrives à dire ça? Non, mais je sais pas. C'est l'une de mes réflexions un peu folles. Et parce que toi, t'es multicasquette. On essaye. Je sais que tu travailles avec beaucoup d'artistes aussi. Mm-hmm. Et je me demandais, c'est quoi ton... Comment t'écoutes de la musique aujourd'hui, toi? C'est quoi, t'as un... Ouais, c'est soit c'est dans la voiture, soit c'est dans la faille de l'avocateur, Wild Rift, où je suis sur LOL, tu vois, je suis sur l'ordi, et généralement, j'écoute de la musique. C'est comme ça que j'écoute vraiment la musique pour moi, dans le sens où j'ai besoin de faire un autre truc, mais de la voir. Ouais. Peut-être comme le fait de conduire et d'écouter la musique pendant que tu conduis, bah... Ça a une différence de quand t'écoutes la musique en faisant du sport ou... Il y a chacun... Ouais, mais t'es très humble dans ta réponse parce que il y a plein d'artistes que j'ai entendus pour la première fois. C'est toi qui me les as fait écouter. George Smith, par exemple, je me souviens très bien. Qui, à l'époque, vraiment était... Dans les SoundCloud de l'enfer. Oui, oui. Et, enfin, tu vois, et donc, t'as quand même une passion. Tu vas aller chercher des trucs. Ouais, non, mais j'aime bien découvrir. Ouais. J'adore ça, découvrir un artiste. Je trouve que c'est archi passionnant et... Ouais. Et c'est l'évolution pour un rappeur, tu vois. Mmh. Au-delà de, pour moi, c'est le bif, on l'a fait avec nous-mêmes, tu vois. Mais le bif qu'on doit faire, c'est découvrir des artistes qui méritent d'être exposés, les faire exposer, leur faire gagner de l'argent et gagner de l'argent, tu vois. Moi, et ça, c'est quelque chose que tu fais en plus. J'essaye. Ouais. j'essaye. Je m'efforce du mieux que je peux, tu vois. Et ça prend du temps. Puis je suis pas un média où je peux imposer des trucs, tu vois. Je suis pas genre ou un média. Je suis pas une big tête du rap, tu vois. Je suis pas un Nekfeu, un Jul ou un Booba qui peut se permettre de ramener quelqu'un et du jour au lendemain tout le monde l'écoute. Tu vois pas? Ouais, mais alors. Et moi je ramène quand même. Peu importe, parce que je sais que en interne dans le milieu, ça regarde bien. Tu vois? Ouais, non, mais et alors déjà. Si y a c'est ça, pas mais... moi, c'est quelqu'un d'autre qui va les faire monter, tu vois. Tu vois, moi je sais que il y a quelqu'un qui m'a vachement aidé au tout début. C'était Cédric Visslot du Saïn Soupa Crew. C'est le premier qui m'a repéré et qui m'a donné de la force. Et tu vois, même à l'époque, c'était pas un grand comme IAM, c'était pas Joey Star, c'était pas. Tu vois, c'était Visslot du Saïn Soupa Crew. Mm-hmm. Pour moi, il était incroyable et la force qu'il m'a donnée. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que ce mec-là, il m'a regardé à un moment. T'as capté, mais après, on peut donner de la force aux artistes. Ouais. Aussi bon qu'il soit,
s'ils ne se donnent pas les moyens, ça ne va pas marcher. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, ça c'est sûr. Mais pour moi, ouais. Mais tu peux révéler aussi des gens, quoi. Et peu importe ton niveau, ça se trouve, même il y a des mecs qui ne sont pas connus, mais ils voient un mec, il est trop chaud. Hey, gros, si tu vois que ton pote, il est trop chaud, toi, tu n'es pas chaud, ce n'est pas grave. Pousse ton pote, ma gueule. Poussez-vous. Essayez-vous, tu vois. C'est ça le truc. C'est comme ça qu'on. Pour moi, la musique, c'est de l'entraide, c'est de l'échange. Ouais. Tu vois, donc. Je trouve ça trop lourd. Moi, par exemple, t'as rencontré Tristan, tu vois. Bien sûr. Avec qui t'as fait de la guitare bien et tout. Bien sûr. Mais rien à voir. Ouais. Tu vois pas ce que je veux dire? C'est comme toi et Vislo un peu. Ouais. Moi et Tristan, c'est le jour et la nuit. Et pourtant, on est comme ça, tu vois. Et je trouve ça beau. C'est ça, la musique. C'est ouais, clairement. En final, clairement. Ça devrait être mais ça. Mais oui, voilà, exactement. Ça devrait être ça. Enfin, bon, après, il y a plein d'autres manières. Ouais, il y a plein de trucs, mais on se comprend. Mais on se comprend. On se comprend. On se comprend complètement. Comprenez-nous. Hein, ouais. Si vous comprenez pas, c'est pas grave. Sachez qu'on vous aime. Oui, on est inclusif. On vous met pas de côté. C'est une discussion tous ensemble. Il y a un rendez-vous dans cette émission en général. C'est de reprendre un morceau d'un artiste actuel. Si on devait reprendre un titre qui te plaît d'un artiste actuel, on irait vers qui? Il y a deux artistes qui me plaisent. Il y a SL Crack tout d'abord, et il y a Josman. SL Crack qui fait partie de ta famille musicale et avec qui tu fais plein de choses avec lui. Ça arrive. Appel en absence, ça, écoutez, allez écouter. Le gars est vraiment bon. Mais non, mais là, pour le coup, en ce moment, j'écoute beaucoup, je reviens de vacances, comme la plupart d'entre nous. Et j'écoutais beaucoup Josman. Ouais. XS. Okay. Josman, je t'adore, mais quand je l'écoutais, moi, je modifiais un peu les paroles, tu vois. Est-ce que tu veux qu'on fasse une version modifiée? On se fait cette version. Ok, c'est parti, accrochez-vous. Mes chéris, c'est pour vous. Mago fait du XL. Mago fait du XL. Sur elle, je suis une fixelle. Ma main sur ses big fers. Ronde comme si elle faisait du fitness. Mais t'inquiète, j'ai mon business. Je suis avec celle que je voulais. C'est ma partenaire dans la reine. Avec elle, je suis plus mature. Avec elle, je corrige mes ratures. On se kiffera dans la nature. Ah, oh, baby, bounce. C'est pour toi que j'en pense. À midi je rêve de billes, à minuit je rêve de tes hanches. Tu me fais galerie quand t'es saoul. Tu me fais galerie quand tu me saoules. Faut que je vois ton sourire sur tes joues. Je veux de toi tous les jours. Ma groupe du XL. Sur elle je fais une fixette. Ma main sur ses big fesses. Ronde comme si elle faisait du fitness. Mais t'inquiète j'ai mon business. Pour toi j'ai fait ce que j'ai pu. Mon cœur était au fond du puits. J'suis en kiff sur son cul. J'suis en kiff sur son cul. Baby, 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 danse. Réduis la distance. De toute évidence. T'es celle à qui j'pense. Baby, baby, bounce. C'est pour toi que j'en pense. À midi j'rêve de billets. À minuit j'rêve de tes hanches. Baby, baby, yes. C'est toi qui l'es complexe. À midi j'rêve de billets. À minuit j'rêve de tes fesses. Ma gros fait du XL. Sur elle j'fais une fixette. Ma main sur ses big fesses. Ronde comme si elle faisait du fitness. Mais t'inquiète, j'ai mon business. Rejoins mon vitesse. Avec ton bar de tristesse. Fais pas comme toutes ces petites pèses. Avec toi, je suis dans l'ivresse. Ma baby, ma tigresse. Oh oui, mon bijou. On s'est pas vu depuis genre 10 jours. Fais-moi juste un bisou. Fais-moi juste un bisou. Rien que son regard me hante. Elle m'étranglait pour que je mente. On vit la vie, on fait l'amour. Je le mets profond pour que je mente. Ma go fait du XL. Sur elle, je fais une fixette. Ma main sur ses big fesses. Ronde comme si elle faisait du fitness. Mais t'inquiète, j'ai mon business. Du bruit pour Dooms. On sait que Josman appréciera. Écoute, vraiment, on te confie la fin de l'émission. On fait ce que tu veux à partir de maintenant. Si on me confie la fin de l'émission, il y a un morceau que je voulais qu'on fasse, en vrai, de vrai aussi, qui s'appelle Roller Champagne. Je sais pas si... Qui est sur ton dernier projet. Exactement. Est-ce qu'on peut dire que c'est un album? On peut dire ce qu'on veut. Ouais. Tant que ça vous plaît. Vous pouvez dire que c'est un album, que c'est une mixtape, que c'est une...
Peu importe. Ouais, en fait, peu importe, c'est vrai. Tant que vous dites quelque chose de cet album, moi, ça me va. Cet album, cette mixtape, peu importe. Alors, on va dire ce projet, ce projet. C'est plus global. Ouais. Du coup, c'est le morceau qui termine ce projet. Exactement. Et donc, il termine aussi cette émission. C'est beau, ça. C'est magnifique, non? Ouais. C'est redondant, mais dans le bon sens. Ouais. Pas facile à dire, redondant. Ouais, ouais. Ouais, c'est il y a un côté complexe. Pokémon. De ouf, ouais. Redondant, t'as les ouf, de ouf. Eh ben, vas-y, c'est parti. On se l'essaye? Roller champagne. Allez. Pour rénover, on fait au mieux pour rénover. Brouillard de fumée nocif, j'oublie que j'suis numéro 10. J'barre dans la ciné avec la famille. À gauche y'a le missile, c'est qui les plus beaux dilemmas. J'barre dans la ciné avec le outro ciné. On a le cash, les missiles, c'est qui les plus chauds dilemmas. Tu sais, j'ai trop pris sur moi. J'pourrais te jurer sur moi. J'ai vu des braves devenir sur moi. Vu des pauvres devenir bourgeois. J'pourrais te jurer sur moi. J'préfère garder pour moi. On fait au mieux pour rénover. On fait au mieux pour rénover. Brouillard de fumée nocive. J'oublie que j'suis numéro 10. Pour te rénover, on fait au mieux pour te rénover. La cryogénique a mes idées cryogéniques. Faut que le génisse, que le créateur nous bénisse. Le petit est fan de Spider, quand il aura Spider 720 McLaren, mais faut pas qu'il oublie la beurre. La monnaie c'est ton as, en vrai le beurre c'est pour moi. Il y a le 6 dans ce couloir, t'es trop bête si tu peux pas le voir. La monnaie c'est ton as, si j'envoie des hommes tout noirs, vous passerez par l'entonnoir. Depuis bas âge, depuis petit, on a le sevis. La vie c'est pas simple, quand j'étais leur dit, je faisais des dingueries. Avant Gotaga, avant les copies, avant les katas. Un jour vend des tagas, au passage on voit que la passe. Pour te rénover, on fait au mieux pour te rénover. Brouillard de fumée nocive, j'oublie que j'suis numéro 10. Pour te rénover, on fait au mieux pour te rénover. Du bruit pour Douce. Quelle émission. Merci beaucoup, mec. On a bien rigolé. Ouais, on a bien rigolé. On a parlé de plein de choses. De basket. Et tu sais que c'est pas fini parce que chaque émission ici se termine avec Bose pour un petit peu de danse. Génial, j'adore, mais Bose. Eh ouais, mon gars, Bose. Oh, Bose, incroyable. Incroyable. Eh ouais. Et c'est le moment où tu dois nous apprendre un petit pas de danse pour qu'on puisse briller en soirée. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. On a tous la petite coupette. Tu veux qu'on fasse un truc à ça? Oui, bah très bien, c'est pour les enfants. Allez, tu fais une danse pour les enfants. Ok. La danse de la... On est un peu circonspect. Ah ouais. C'est pas tant pour les enfants. Ça j'aime bien. Voilà, et pour les petites princesses comme ça, tu vois. Oh là là. Viens, ma chérie, allez, danse comme ça, tu vois. Et pour les petits garçons. Génial. Bah écoute, on peut tous applaudir Douce. Merci mon ref. Bien vu. Merci à toi, Buzz. T'assures. Super danseur. Génial. C'est Buzz.